Yo 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 les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui complètement rincé par la température, bordel de merde. Vive les ventilateurs, vive les clims les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo dégustation. Les gars, je suis mort, vraiment je vous le dis, je suis mort par la chaleur. J'ai même pas envie de me déplacer, Uber Eats à l'ancienne. Mais on va quand même dévaliser quelque chose. Je vais commander sur Uber Eats un maximum de ceboué avec un maximum de goûts différents. Pidi descendra et viendra goûter aussi avec nous. Je pense que moi je vais favoriser peut-être un ou deux sandwichs au moins au thon. Parce que c'est vrai que quand il fait chaud, du thon, ça met tellement bien un petit thon mayo. Ah ouais, j'avoue, franchement, j'ai déjà l'eau à la bouche. Je vais prendre que des 15. Donc je vais prendre que des petits 15, mais plein de goûts différents. Je vous dirai, je vous ferai la liste une fois que je les aurai reçus. Et puis voilà, on se retrouve juste après. Du coup, les amis, comme d'habitude, les pouces en l'air, les abonnements, les commentaires, tout ça, tout ça. Chez vous, il fait combien de degrés? Et vous mangez quoi ce midi? Cette putain de chaleur. Elle aura ma peau un jour. Le sac est tellement lourd que la lanière, elle a craqué. J'espère que t'as faim, Pete, parce que on a de quoi dégommer là. Oh, voilà, mais attends, on reçoit des invités ou quoi là? Bah en fait en gros je voulais commander des 15 et il n'y avait que des 30. Du coup bah j'ai dû prendre un 30, 2 30, 3 30 et 4 30. En vrai je pense que de toute façon avec la chaleur on va pas bouffer tout. Il en restera mais en gros j'ai pris que des goûts différents. Bug à son QG. T'as chaud? Bon du coup vas-y on va commencer à déballer le tout. Par contre j'ai pris tous les pains différents. Ah cool. Visuellement j'ai pris ça c'est pain blanc je pense. Ouais. Ça c'est pain italien. Non. Parmesan origan. Ouais. Ça c'est pain italien. Ouais. Et ça c'est pain complet. Ok. Donc j'ai pris tous les pains, comme ça on pourra choisir le meilleur des pains. Y en a un, j'ai pris du poulet tikka ou taki, je sais pas quoi. Taki taki. Taki taki rumba. J'ai pris du poulet teriyaki. J'ai pris un truc, je sais pas c'était quoi. C'était steak. En tout cas, je viens de faire ça à la sauce. T'as mis du piment là-dedans. Y en a un qui a du piment. Donc. Oula, bah y en a un, c'est roulette. Et j'en ai pris un au thon. Voilà. Au thon, il va bien revigorer, ouais. Je pense. Tu crois que genre dans lui en premier? Okay. En vrai, je sais pas si c'est temps. Oula, t'as mis du maïs dedans. Je sais pas lequel est lequel. J'ai pris que des trucs que j'ai pas l'habitude. Hein. Parce que normalement, moi, mon ceboué parfait, c'est poulet, salade, tomate. Par contre, j'ai mis salade, tomate en tout. Obligatoire. Mm. Poulet, salade, tomate, cornichon, olive. En ce moment, je rajoute un petit peu de piment parce que je sais pas, j'aime bien me faire un petit frisson dans la bouche. Et j'essaie de me former au piment. Et je mets sauce. Je mets même pas de sauce, je crois. Je mets un filet d'huile d'olive. Mm, très bon aussi là. Les pains parmesan origan, la base, par contre. Là c'est sûr et certain, il est bon. Après, ils ont mis un tout petit peu trop de maïs. J'aime bien. De toute façon, le ceboué c'est la valeur sûre. Mmh. Il est bon. Hein. Et t'as mis des poivrons. Alors dans celui-là. C'est peut-être ça qui fait beaucoup aspect sucré. Parce que s'il y a des poivrons et du maïs. C'est un peu sauce curry, non? Poulet tikka, c'est sauce curry du coup. Bah c'est le poulet ouais qui fait ça. J'ai jamais goûté poulet tikka. C'est la marinade, je pense. Du coup dedans c'est pain complet, poulet tikka, tranche de fromage, ouais. Salade, tomate, maïs, oignon doux. Pas de poivron. Ah bon? Non. Putain bah il est fort, il est très sucré leur maïs hein. Tu sens? C'est l'oignon doux, la sauce oignon ah, doux. Ah ouais, okay. Ok. Pas mal, on dirait un truc mexicain un peu. Okay. Ouais on dirait ouais. Garde de la place hein. On va d'abord tout goûter comme ça okay. C'est ton préféré. Ok. Comme les tacos, celui-là, vas-y je le goûte en premier pour une fois. Ouais, celui-là il donne envie avec le pain là. Oh, what the fuck. Tout moelleux. Dedans on dirait du steak, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. C'est toi qui les as fait toi-même ou t'as pris des préfets? C'est toi, ok. Que se passe-t-il, mon petit burger? Je kiffe pas. Y a rien qui va ensemble. Mais non. Je me suis complètement foiré dans la composition. Il y a strictement rien qui va ensemble. Ah. Mais. Je pense que c'est la viande qui fait ça. C'est la viande, ouais? Ouais. Elle est chelou, montre, caméra. De toute façon, elle est chelou la viande. C'est de la viande décongelée, quoi. Ouais, on dirait de la viande de friterie. Ouais, on dirait ce qu'on. Tu sais, on dirait quoi? La fricadelle. Ouais. Sérieux? Ouais. On dirait trop de la fricadelle. Est-ce que vous connaissez la fricadelle? La texture, rien que la texture. Peut-être pas le goût, mais la texture. Mm. Alors vas-y, essaye de deviner ce qu'il y a dedans. Bah. Ah, il y a du piment dans celui-là. Alors, maïs. Non, pas de maïs. Tomate, steak, salade, et c'est tout. C'est très loin du compte. Hein?
Alors, pain italien. Ouais. Steakhouse melt. Ouais, donc ça c'est la viande. Donc c'est bœuf assaisonné façon grill et fromage fondu. Tranche de fromage, salade tomate, poivron, cornichon et sauce moutarde et miel. L'aspect piment c'est la sauce moutarde parce que ça arrache sur le cou, mais là ça brûle pas la bouche. Un peu. Ah ouais? Ouais, ça me brûle la gueule là. C'est chelou. Vas-y, bah suivant. Ok. Oula, celui-là il donne envie. Avec la sauce et tout, moi j'adore. Moi j'aime bien quand c'est pas très sec. Du coup là je vois plein de couleurs et je vois de la sauce, ça m'enjaille. Donc ça c'est quel pain ça? Parmesan rican. Oignon rouge, cheddar, poulet. Poulet, il est trop bon. C'est le pain qui fait tout. Hein. Le pain parmesan rican, il est ouais. Au-dessus. Hein. De toute façon en fait moi je suis à t'attendre, mais il y a un autre sandwich en fait là. Ah par contre ça, ça gueule. Ah ça me prend un piment dans la gueule. C'est dans celui-là de la roulette. Ils arrachent la gueule le piment. Il est beau celui-là. Par contre les piments ils ont pas rigolé hein. Et la sauce est trop bonne. Oh. Je me prends une balle dans la gueule là. Ah bah moi c'est plus une balle, c'est le chargeur là. Il est vraiment bon lui par contre. Hein. Ouais. Niveau goût, il est là. Hein. Mmh. Je savais qu'elle allait me plaire. Alors dedans, le pain parmesan origan. Ouais. Poulet teriyaki. Mmh. Tranche de cheddar. Ouais. Salade tomate oignon. Ouais. Piment. Et la sauce c'est Southwest. Ok. Moi c'est peut-être mon préféré là. Oh, peut-être à l'en faux cuir. Pardon. Mmh. Je te jure, on dirait un burrito ça. Je ne sais jamais manger. Bah vas-y, bah prochaine étape du coup. Hein. Et burritos, quesadillas, c'est comme ça s'appelle non? Serviettes chatounées. Ils sont verts les piments. Ça arrache trop la gueule là. Oh! J'ai pas mis de serviette! Lui, je pense qu'il va rafraîchir la gueule lui. Ouais. Je vais goûter du coup le dernier. Il y a du thon là. Vas-y, bah vas-y. Vas-y, bah goûte, ça va te rafraîchir la putain, gueule. Putain, mais et t'as mis supplément piment ou quoi? Tiens, l'oignon enlève. Ah ouais. Le pain blanc, il est trop bon. Ce pain-là, il est pas mal, j'avoue. Je le prends jamais, moi, le pain blanc. Pareil. Moi je pensais que c'était un pain tout blanc. Ça m'a changé partout. En fait, il est pas tout blanc. J'ai la gueule en feu. Moi aussi. Je cherchais de l'eau, SOS pour vous. C'est ça les piments, tu crois? Les trucs verts. Ça? Je sais pas, ouais, je pense. Tu as de la gueule, tu le manges. Proba. Proba? Mmh. Sur 2. Hein? Non. Proba sur 2. J'aurais dit 5 moi. 2. Du coup, là, si je me trompe, c'est moi qui le mange. Et si River, c'est toi qui le mange. T'es bête? 1, 2, 3, 1. J'ai le seum. Le seum. Ça tombe, c'est même pas le piment, c'est un poivron. Non, t'en as pas mis. C'est le piment. Ouais, ouais. Ah, c'est un bon piment vert. J'ai de l'eau fraîche qui était au frigo. Ouais. Ça met bien. Et j'ai de l'eau pétillante que j'ai mis au congélo, mais il y a 20 minutes. Ah, ça fait bizarre de boire de l'eau pétillante après un piment. Ouais. Mmh. J'aurais dû prendre de l'essuie-tout, chaton. Hein. Ça brûle deux fois plus, j'ai l'impression. Fais le test. T'as encore la gueule en feu? Ouais. De l'essuie-tout? Ouais, s'il te plaît. Ah ouais. Avant, on dirait que ça pique plus avec l'eau pétillante. T'as vu, ça fait bizarre en vrai? Ouais, c'est bizarre. Bah, du coup, ton préféré, c'était lequel? Bah, j'hésite. Entre celui au pain blanc et celui parmesan origan, ouais. Moi aussi. Parce que le pain blanc, il est vraiment bon. Hein. Le pain blanc est vraiment bon et le thon, ça fait plaisir. Je pense que j'aurais peut-être une préférence pour le parmesan origan parce que celui-là, c'est basique, tu vois. Et je t'ai pas dit ce qu'il y avait dedans. Bah, il y a oignon rouge, salade, thon, tomate et sauce... Bah attends, mais j'avoue, il y a des oignons. Il n'y a pas d'oignon, moi, j'ai pas mis d'oignon. C'est vrai. J'ai mis pain blanc, thon, tranche de cheddar... Salade, tomate, concombre. Bah ouais, j'avoue. Maïs et mayonnaise. Il n'y a pas de maïs. Bah heureusement que t'es pas allergique aux oignons, hein.
Bah quoi qu'on a enlevé un dès le début, donc tu l'aurais su, mais... Bah ouais. C'est pas vraiment vraiment la commande que j'ai fait. Mais mon préféré, franchement, bah j'avoue, en ce temps de chaleur, les gars... Ouais. Rien de tel qu'un bon ton maillot. Mmh. Ça met archi bien. Sinon, j'avoue, le poulet teriyaki, là... Il était lourdos, hein. Mais c'est pour ça que je préfère un petit peu le parmesan riga parce qu'on sent plus la signature de ce bouet. Alors que celui-ci, bon, mis à part le pain, forcément, ouais, tu peux le refaire chez toi, tu vois. Ouais. Donc j'ai peut-être une préférence pour celui-ci. Mais attends, mais je viens de croquer sur un piment, là, encore. Ah, mais j'avoue, moi aussi. Regarde ça, là. Moi aussi, je viens de croquer sur un piment. Il n'y a pas de piment dedans. Regarde celui-là. Je te jure, j'ai pas mis de piment. Le gros là. Je me dis, ben attends, j'ai de plus en plus chaud. Mais je crois qu'ils ont voulu nous troll, c'est pas possible. Mais j'avoue, y a pas, j'ai pas mis, regarde, j'ai pas mis de piment. Alors au total, j'ai payé 34,10€. Ça va. Non. J'en peux plus là. Ouais, si ça, ça va. Ça fait 10€ le. En vrai, tu sens que déjà c'est plus sain qu'un fast food, tu vois. Ouais. Moi j'aime bien ce bruit, hein, franchement. Mais putain, mais pourquoi ils ont pas respecté Je te jure, j'ai la gueule en feu là. Des barres. Mmh. Même la sauce. La sauce elle est orange. J'ai mis de la mayo. En fait, en gros, depuis tout à l'heure, la liste que je suis en train de lire de ma commande, ça n'a rien à voir. T'sais. Je pense qu'au niveau des quantités restantes, on a peut-être défini le classement. Donc le thon, en fait, oui, c'est fini. T'as pas pu goûter le thon, toi. Celui-là, du coup, celui au piment, bah, je pense que c'est juste le piment qui nous a freiné et le fait qu'il y avait encore un sandwich. Lui au steak, bah, franchement, j'avoue, j'ai pas kiffé. Le steak, c'était pas dingue. Et lui, bon, bah, c'est parce que c'était le premier, mais sinon, il est bon. Fallait garder de la place. Ouais. Tu penses qu'on en garde pour ce soir, du coup? Ouais. Comme on a fait avec les... Ah oui, c'est vraiment marrant. Hein. On me fait penser à une recette vraiment de burritos tacos. Mais elle est vraie, tu vois. Elle est craquante, là. Mexicain. Avec du chili et tout dedans. Ouais. Fait trop penser à ça. Et ben en vrai, tu vois, avec cette chaleur, ça m'a calé. Hein. Ouais, moi aussi. Mmh. Probable que tu manges ce piment, là. Oh non. 5. 5? Ouais. 1, 2, 3, 5. Putain, j'hésite entre 3 et 5. C'est vrai? Ouais. Du coup, moi, il y a moins 2. 1, 2, 3, 1. T'as eu la chance. On fait goûter ça au loulou? Ouais, les steaks. Ouais. En vrai. Y a pas de piment dans celui-là? Non, je pense pas. Tiens. Je pense pas. Bah, après, je sais pas. Je sais pas s'ils ont mis dedans en fait. Non. Ils respectent pas nos recettes. Si. Par contre, c'est des gros bouts, ça, chaton. Hein. Mais c'est des gros bouts, mais voilà, il mérite. Il est sale. Regarde-le. T'es sage, Mustangin. Regarde. Faim t'auras ton bout de sandwich. Ton premier Subway. Tiens. Oh là, ça veut dire qu'il veut le garder pour lui tout seul. Tiens, ma belle. Il est parti le thé comme solo. Alors? Mais attends, mais je rêve ou elle fait du Mustang là à manger? Ouais, vite. J'avoue, maintenant elle mange vite. Vas-y, redonne-lui ça pour voir si elle mange vite. C'est parce qu'il y a Mustang à côté. La dernière fois, ils ont bastonné, les gars. Pour de la bouffe. Ils ont bastonné pour de la bouffe. Ils ont montré les griffes, ils ont fait. C'est bien. Bah, je pense que ce bouet, ça a été validé. Mais en vrai, j'avoue, ce bouet, ça se garde plus facilement que McDo et tout. Donc, oui, on peut les emballer et puis on les mangera ce soir. Hein. Ouais, bah, j'avoue, là, je suis pas d'humeur à grailler comme un gros porc parce que je suis en train de décéder de la chaleur. Et là, franchement, il fait combien, là? Ressenti 40 degrés, hein. Non, mais frère, on est en France, là. On n'est pas au Maroc, hein. J'en peux plus. Sur ce, les amis, j'espère que ça vous aura plu. Un petit peu de fraîcheur avec un bon Subway. N'hésitez pas les pouces en l'air, les commentaires, les abonnements comme d'habitude. La chaîne de Pidi dans la description. Elle va faire des glaces en vidéo, donc ça risque d'être intéressant. Moi, je serai là pour bien les dégommer et pour bien me rafraîchir. Je vous fais des bisous. Et en vrai, ça va. Hein, quand je vois qu'on avait, 4,30, il reste que ça. Franchement, on a quand même bien des gommes hein, pour des gens qui n'avaient pas faim.